Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement de l'Union populaire créeront des millions d'emplois et mettront fin au chômage de masse. Comment ? Nous déclencherons un choc de demande aux deux bouts de la chaîne. D'un côté, nous soutiendrons la consommation populaire qui est le moteur de l'économie réelle, et de l'autre, nous soutiendrons les entreprises en investissant dans la bifurcation écologique. Cette vision de l'économie s'appelle la politique de la demande. Notre économie doit répondre à nos besoins. Et pour répondre à ces besoins, il faut des millions de nouveaux emplois. Dans la fonction publique, nous créerons 1 million de postes dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, dans les transports. En réduisant le temps de travail, nous créerons également des centaines de milliers d'emplois. De plus, l'augmentation des salaires, à commencer par le SMIC à 1400 euros net, boostera la consommation populaire. Mieux employés, mieux rémunérés, les salariés du privé comme ceux du public auront les moyens de mieux consommer. Pour transformer notre économie, nous planifierons la bifurcation écologique. 200 milliards d'euros seront investis dans les secteurs clés de la bifurcation écologique. Le carnet de commandes des entreprises françaises sera rempli directement et indirectement. Cet argent ira dans l'économie réelle et non dans les poches des actionnaires. Pour endiguer le chômage de longue durée, nous voulons une garantie d'emploi. Son principe est simple. Tout chômeur de longue durée se verra proposer une embauche dans un secteur utile à la société. Pourquoi réformer ? Parce qu'il est temps d'en finir avec le chômage de masse. Il coûte cher à notre société. Souffrances psychologiques, problèmes de santé, suicides, exclusion. Il faut enfin y mettre un terme. Nous nous attaquerons au chômage, pas aux chômeurs. Avec Jean-Luc Mélenchon, l'économie sera au service de nos besoins et de nos vies.